première à en avoir fait des frais en France, la célèbre Loana. On a beaucoup entendu parler de Survalorisation de ces jeunes visés par la vie, des jeunes qui sont instables psychologiquement, et c'est ça qu'on veut montrer, le clash toujours possible. On maintient la jeunesse un peu sous silence, parce que la jeunesse aujourd'hui n'existe que dans la télé-réalité, grosso modo, mais il faut aussi qu'elle suive le scénario qu'on a prévu pour elle. On a affaire à un cynisme absolu, et j'en appelle vraiment à ce que la jeunesse puisse être en colère contre ces émissions-là. Le spectacle que la France montre de la jeunesse, la France entre autres, c'est une jeunesse bâillonnée, soumise à la production. Une jeunesse soumise, et c'est ça le scandale. Mais vous ne croyez pas, Vincent, que cette jeunesse a envie, par exemple, de passer à la télévision, quand on voit aussi derrière qu'ils trouvent des jobs dans des émissions de télévision? Ça donne envie, j'imagine, à ceux qui la regardent de se dire, tiens, et pourquoi pas moi? Mais nous sommes responsables des rêves que nous mettons dans la tête des jeunes aussi. On parle de la jeunesse depuis toujours, mais ils ne sont pas si débiles, ces jeunes. Ils savent très bien, et la preuve, c'est que c'est l'exercice que vous leur avez fait faire il y a des années. Et c'est le drame, c'est qu'ils ne sont pas débiles, ça serait tellement plus simple. Non seulement ils ne sont pas débiles, mais en plus ils ont plein de choses à dire. Moi, je les aime bien, les jeunes. Mais en plus, ils ont plein de choses à dire sur notre société. On ne veut pas les écouter, c'est nous qui sommes débiles. Nous sommes débiles dans les débats de société d'avoir toujours des gens de plus de 30 ans ou 35 ans et pas un jeune de 22 ans. Nous sommes totalement débiles dans la caricature que nous faisons de la jeunesse. Mais j'ai l'impression que notre société, elle a peur de la jeunesse. Attention, la jeunesse critique. La jeunesse qui peut dire, écoute, dans ce que tu me proposes comme société, que tu as fait, toi, aîné, moi je vais prendre ça, mais ça j'aime pas. Et c'est ça la philosophie pour moi. La philosophie, c'est un acte de jeunesse et chacun, en faisant de la philosophie, peut redevenir jeune. Mais il faut vanter l'esprit critique. C'est ça qui passe à l'as, c'est ça qui est mis de côté dans la télé-réalité, c'est l'esprit.